Bah voilà, c'est la rentrée. Il était temps. Ras-le-bol des vacances. Et en Occitanie, cet été, il s'est passé plein de trucs. Entre les touristes qui veulent retarder les cloches en Lozère, ceux qui sont dérangés par les cigales dans le Var, et récemment la mairie de Casseville en Aveyron, qui fait un arrêté pour interdire la pétanque après 23h. 23h, c'est le début de l'apéro, les gars. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors à ce moment-là, on fait des arrêtés pour tout. Moi, je suis pour que le quart d'heure toulousain passe à 22 minutes, pour qu'on réintroduise des êtres humains en Ariège. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Non, mais l'été, les touristes dans le sud, ça devient du grand n'importe quoi. Moi, j'ai vu des trucs. Ah bah, ça fait du bien de faire pipi. Ah bah, ça fait du bien de faire caca. Ah, puis encore une fois, je reviens dessus, le Shanghai qui va fermer. On va pas revenir dessus, on en a parlé plein de fois, on a fait un clip là-dessus. Hier soir tu étais gay, ce soir c'est moi qui suis triste. C'est fini. On pense à l'avenir du vendeur de sandwich. On pense aux femmes de ménage qui vont s'occuper de la salle du bas. Putain, je m'étais promis de pas chialer. Sur France 2, il y a une nouvelle série qui arrive à la rentrée. Ça s'appelle Un Si Grand Soleil. Ça a été tourné à Montpellier. 253 épisodes de 26 minutes. Un Si Grand Soleil. Au départ, il voulait le tourner en Bretagne. Mais ça avait 23 épisodes de 45 secondes. Sur 3 ans. Pirate ! D'ailleurs, je comprends pas les gens qui vivent toute l'année dans le sud et qui partent l'été en vacances en Bretagne. C'est comme ouvrir une discothèque pour les jeunes de moins de 30 ans dans le Tarn. Ou alors, ouvrir une boutique de fringues au Cap d'Agde. Bah non. Je charrie. Moi, j'adore la Bretagne. Puis en Bretagne, ils disent, il pleut que sur les cons. Moi, je m'en fous, j'ai un cahouet. Ouais.